choses ayant une fin. Voici venue la fin de notre spectacle. Les cabrettes et accordéons ont sonné et résonné dans cette guinguette du bord de Serre. Le dernier chant que nous allons vous interpréter nous tient tout particulièrement à cœur. Dans les spectacles que nous faisons, il est toujours présent. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans cette salle le monsieur qui a composé ce chant, paroles et musique. Ce monsieur est venu de Charente avec son épouse, a fait 3 heures de route, sans rien nous dire bien sûr parce que c'était une surprise. Il est arrivé à Polignac tout à l'heure et nous en sommes restés bouche bée. Évidemment, il ne nous avait rien dit. Heureusement, parce que nous aurions eu le trac 15 jours avant. J'ai nommé monsieur Pierre-André, qui m'a salué, ainsi que son épouse Virginie. Un grand merci à vous d'avoir fait ce si long voyage pour assister à cette première, le cabaret de Marseille, qui, nous espérons, vous a fait passer une excellente après-midi. Le concept était nouveau, donc je ne vous cache pas que nous étions très inquiets parce que nous avons joué des morceaux qui ne font absolument pas partie de notre répertoire pour la plupart. Nous les avons appris pour les enfants de Boussou. Et nous sommes vraiment très fiers d'avoir travaillé autant, je peux le dire, parce que nous avons travaillé. Bon, il reste quelques imperfections, mais ça, la prochaine fois, ce sera mieux. Et donc, voilà, on voulait simplement vous remercier. On va interpréter donc ce chant « Quand les cabrettes sonnent » une fois, et ensuite on demandera à l'auteur de venir nous accompagner. Voilà, donc pour vous aujourd'hui et pour terminer ce spectacle, qui continuera après, mais uniquement avec de la danse, nous jouerons les morceaux que nous jouons d'habitude, et qui vous permettront ainsi de danser encore et d'éliminer tous les gâteaux que vous avez mangés. Voilà. Donc nous allons vous interpréter « Quand les cabrettes sonnent » de monsieur Pierre-André.